Stéréo Chic. Les Français parlent de français. Un Français dans le monde. On va pas très loin, rassurez-vous. 11 700 km pour atterrir au Chili. On va évoquer avec Agnès une immense expérience d'expatrié. Agnès, bonjour, bienvenue sur l'antenne de Stéréo Chic. Bonjour Gauthier. Alors, on va raconter un peu tes aventures. Tout ça commence il y a une vingtaine d'années. Tu décides de partir vivre au Chili. Pourquoi le Chili ? Eh ben écoute, c'est plutôt un hasard un petit peu orienté quand même. Il se trouve que j'avais fait un master en commerce international, mais spécialisé avec les pays de langue espagnole. J'avais déjà pas mal baroudé en Espagne et je me suis dit que ce serait peut-être sympa d'aller voir un petit peu ce qui se passait en Amérique latine. J'ai envoyé des postulations pour un stage de fin d'études et j'ai été pris aux éditions Larousse à Santiago du Chili. Voilà. D'accord. Tout à fait par hasard. Et en 96, tu débarques à Santiago du Chili. On peut imaginer exact. Qu'entre ta vie française et la vie chilienne, il y a deux, trois petits changements. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand t'as débarqué dans le pays ? Écoute, quand je suis arrivée, ce qui m'a le plus surpris, c'est d'un côté l'extrême gentillesse des gens. Vraiment, les gens qui se plient en quatre pour t'aider, le gars qui m'emmène de l'aéroport à mon appart, les gens que je rencontre dès les premiers jours, etc. C'est ça, la personne qui t'aide dans la rue, enfin, voilà, une envie tout le temps de t'aider, d'être là aux petits soins pour toi. Et puis quand même un grand bazar dans la ville de Santiago, enfin quand même des bus dans tous les sens, des pots d'échappement qui crachent tant que ça peut, enfin voilà, un peu le gros bazar marrant quand on arrive depuis la petite ville la grosse ville de Lyon bien rangée quoi. Et alors justement ton intégration, ton installation dans le pays, ton expatriation s'est bien passée ou t'as rencontré des problèmes soit d'ordre pratique, soit d'ordre humain, je sais pas, est-ce que ton arrivée sur place t'as vite été à l'aise? Ouais, alors j'ai été très très vite à l'aise. Comme je te disais, les Chiliens sont des gens adorables et franchement ça pose aucun souci. Bon, donc en plus moi j'étais en mode stage 6 mois dans une colocation avec d'autres étudiants, donc c'était un petit peu la fête tous les soirs, donc c'était plutôt des conditions super sympas. Ça va, ouais. Après au niveau humain, ce qui m'a un petit peu posé problème au départ, c'est que en fait les Chiliens sont tellement gentils, c'est que souvent ils n'arrivent pas à dire non, donc ils vont te dire oui à tout. Et du coup derrière ben il y a quelques surprises. En bon français, t'invites les gens à 8h du soir, évidemment à 10h il y a toujours personne. Ouais. Voilà, enfin les trucs typiques. Et c'est vrai qu'au début, bon bah c'est pas vraiment des problèmes. C'est juste que c'est des trucs culturels auxquels il faut se faire. Et puis aujourd'hui, c'est moi qui dis que j'arrive à 8h. En fait, je suis pas là avant 10h, mais c'est pas grave. On se fait à tout. C'est pas très important. Tu pensais rester 18 ans à vivre en expatrié? Écoute, non, comme je te dis au départ, j'ai fait une valise pour 6 mois et en fait, dans la première étape, j'y suis restée 4 ans. Donc non, je pensais pas y rester aussi longtemps, effectivement. Il se trouve que j'ai rencontré mon mari, qui est chilien, et puis voilà, j'ai eu une proposition derrière mon stage. On m'a proposé, j'ai fait mon stage aux éditions Larousse à Santiago, et il se trouve que derrière j'ai eu la proposition de gérer un peu la partie commerciale et marketing. Donc j'avais 24 ans, c'était super intéressant, c'était un gros challenge, donc j'ai dit oui évidemment, voilà. Avec près de 12 000 km entre ton pays d'origine et ton pays d'expatriation, tu gardes contact avec la France à cette période-là? Tu t'intéresses aux infos, à la musique, à la culture, à la vie du pays? Je te dirais que pas trop, parce qu'en fait, moi, l'expatriation au Chili, c'était en fait une suite de mes premières expatriations. Moi, j'ai fait 2 ans d'études sur Lyon, et puis après, je suis vite partie en Espagne, en Angleterre. Donc, j'étais déjà partie quand je suis partie au Chili. Donc, c'est vrai que la France, pour moi, c'était pas forcément à cette époque-là ce que j'avais envie d'explorer ou de, tu vois, enfin, j'étais pas très inquiète de ce qui se passait en France. J'étais plutôt avide de découvrir ce qui se passait au Chili et autour. Enfin, ouais, carrément. Alors, justement, ouais. Si tu devais être la porte-parole du Chili, tu nous inviterais à découvrir quel endroit, quelle partie du Chili t'a le plus marqué en particulier?
Alors écoute, c'est un peu compliqué parce qu'en fait j'ai envie de te dire tout parce que tout est intéressant. Après, je pense qu'il y a vraiment des paysages qui sont uniques et que nous Européens on ne peut pas soupçonner. Voilà, désert d'Atacama dans le nord, tout ce qui est la partie Patagonie. Mais après, dans le centre du Chili, la région des lacs, etc., il y a énormément d'endroits qui sont absolument fabuleux, mais qui sont moins dépaysants pour nous, parce que c'est vrai qu'il y a des endroits, t'as l'impression d'être en Autriche ou en Allemagne, ou tu vois, enfin c'est que ça soit au niveau de la culture, au niveau des paysages, ou même au niveau des gens qui y habitent, c'est moins dépaysant. Mais oui, clairement, désert d'Atacama, toute la frontière avec la Bolivie, enfin c'est juste incroyable, quoi. C'est dépaysant. Voilà. Super dépaysant. C'est pas tout à fait comme ça dans les rues de Lyon. Je rappelle que cette interview est réalisée en partenariat avec Very Local Trip. Et Agnès, si tu le veux bien, on se retrouvera pour une suite à tes aventures. Parce qu'au bout de 18 avec ans, plaisir. Tu rentres en France avec toute la petite famille. Et là, on va vivre la vie d'une ex-expatriée qui fait découvrir une expatriation à sa petite famille. Affaire à suivre. Donc, merci beaucoup, Agnès. Je vous en prie. À bientôt. Stéréo Chic.